à tous et bienvenue sur la suite de nos aventures sur War Hospital. On est en live et on va pouvoir démarrer le chapitre 3. On s'était quitté sur un petit bug la dernière fois, mais effectivement j'ai recalé ça dans Steam et désormais ça fonctionne. Donc j'ai testé, on peut démarrer le chapitre 3 directement depuis la fin de l'hôpital précédent, exactement comme le chapitre 2. Et je vais vous lancer vous lancer d'ici pour qu'on ait la petite cinématique d'intro. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil sur ce jeu qui est vraiment sans faille depuis le début de la sortie de la rediff et du live, ça fait bien plaisir. The plague that hit the hospital did not strip us only of the lives of our friends and comrades in arms, but also took part of our spirit. Despite this, we have to fight. Although the darkness surrounds us from every possible side. But perhaps we are the dust that will meet the morning light someday. Sir, new patient arrived. Ok, donc simple et efficace comme petite intro. Visiblement, on va être axé sur le moral sur ce chapitre, j'imagine. Donc du coup... Comme précédemment, on commence avec toutes nos réserves à fond. On a 16 lettres et on a de quoi recruter 8 points de personnel. Nos améliorations globalement sont toutes là. Celles qu'on était en train de construire, non par contre. Et moi, on est en train de construire les bandages compressifs et ça a sauté. Mais on a de quoi construire plein de choses. Donc, on va regarder un petit peu. Je pense que je vais attendre de voir s'il y a une petite cinématique. Voilà. German counter-offensive is planned on our part of the front line. HQ's orders are to hold the line and prevent the enemy from breaking our defenses. Any reinforcements? No, sir. HQ has decided to make a push on the other parts of the front, north from here, in an effort to break the German defense line. I understand. Sir, HQ asked if we can send any reinforcements for the attacking forces. Reinforcements? We can barely hold the line now. If the Germans are planning a massive attack, HQ should send reinforcements to us. I agree, Lieutenant Colonel. But sadly, we will have to make do with what we have. If HQ sees a chance of ending this war with that offensive, we should hold our part of the front line as long as they need. Maybe this bloody war will end soon. Ok, nos ordres sont donc de résister aux assauts et en plus d'envoyer des renforts. Parfait. Et en plus on a un VIP. Alors voyons un peu ce qu'on a, parce que du coup il y a du peuple. Hein. Waouh, ah oui, carrément. Alors déjà, la VIP. Je vous demande de prêter une attention toute particulière au cas de Laure Paltier. Son mari et trois de ses filles sont déjà partis sur le front. Nous ne devrions pas lui demander de sacrifier aussi sa propre vie. J'ai aussi reçu une demande de ses fils les plus jeunes, Jacob et Gaston, qui ont proposé de venir travailler à l'hôpital afin de rembourser les médicaments et son traitement. Ok, très bien. Et bah écoute, en avant, on a beaucoup de monde à traiter là. Là on a une opération fatigante. Là aussi... Là aussi... Attends, ils sont tous en stable, les pauvres. 2 heures, on va mettre à l'enchaîner là. Dans 4 heures, on s'occupe de toi. Et dans 4 heures, on s'occupe de toi. 2 plus 3, on sera bien. Et lui devrait même pouvoir terminer ça, je pense. 5, 4, 6, ok, donc plutôt là. Donc, le premier jet, on va les gérer. Peu importe leur chevron, ça devrait être... assez facile à faire, je pense. Ici, ils sont tous bons. On est toujours sur des trucs assez longs. 13h là, on va commencer par toi. Oula, hop. Et ici, et derrière, on a un 3 chevrons là et un 2 chevrons. On va déjà faire ces 4 là, vu le temps que ça prend. Alors, okay, hop, 3 chevrons, 3 chevrons, on va tous les mettre en place. Niveau difficulté des opérations, ça va. Tac, tac,
Et toc, allez, c'est parti. 3h, 3h, tu vas plutôt aller là, toi. Voilà. 2h, 2h. 3h, 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 3h. Parfait. Bon, on va bien ponctionner nos réserves déjà. Donc on va lancer la production dans la foulée, je pense. Alors je sais pas trop ce que je vais recruter pour le moment. Je pense que je vais re-remplir un chouille. Mes escouades d'éclaireurs. Là on est d'accord, il y a... lui ils sont deux déjà. Donc on va en mettre un ici. Et on va envoyer Ryan Graham quelque part. Enfin si on peut. Pour l'instant on a un truc. À la recherche d'ennemis furtifs. Les rapports de plusieurs villages mentionnent d'importants groupements d'hommes se déplacement à la faveur de l'obscurité. C'est parti, on envoie Ryan Graham. De toute façon, 24 heures, autant l'envoyer direct. On va attendre la commande de l'autre escouade et on sera bien. On est d'accord qu'il devrait arriver. Faut que j'enlève la pause pour que la commande se fasse, j'imagine. Alors, au niveau des affectations, on a plein d'ingés en pleine forme. Nos brancardiers, par contre, sont déjà en place. Le poste de secours, on se préparait à l'attaque. Du coup, c'est pas forcément pertinent. Il va falloir qu'on change un peu tout ça. Toi, tu voudrais être dans le régime de Car à 8 heures. Alors, ils ont changé à chaque nouveau chapitre, ils changent. Et salut, Cars. Bienvenue sur le live. Ça va très bien, mais moi, je ne découpe pas. J'essaye d'éviter au maximum les amputations. Nos infirmières, elles sont calées, très bien. Est-ce qu'il y a des préférences qui pourraient aller pas plus que ça? Toi, tu préférerais... Ah oui, j'avais mis en 12 heures. Tu préférerais, voilà, être dans le quart 1. Nickel. Un cœur, toi, pas comme Zebus qu'on surnomme le petit boucher de Prague. Avec Zebus, il a dû faire des sacrifices, effectivement, j'ai vu ça. Ouais. Alors, il va falloir qu'on envoie plein de monde pour cette première attaque. Du coup, on va jeter un œil vite fait à ceux qui sont au poste de secours. Toi, t'es plus performant au poste de secours. Plus performant au poste de secours. Normalement, on en a qui sont bons. Au PES, voilà, Odin et Oscar déjà. Alors, on va déjà faire ceux qui sont spécialisés, les autres, après ce sera selon les besoins. Et au cimetière, on a nos deux mecs qui travaillent au cimetière, qui sont efficaces. Ouais... Ton moral diminue lorsqu'il travaille au PES, lui. Léon et Patrick. Ça serait bien d'éviter ça, parce qu'on commence quand même avec pas mal de morale. Léon et Patrick, ils sont où? Ah non, Patrick et Rupert. Vous allez au cimetière, il y a des cadavres à dépiler, je crois, de mémoire. Là, on le voit. Même pas, il n'y a même plus d'attente d'enterrement. Bon, du coup, on va vous envoyer là, tant pis, c'est pas grave. Non, on va vous laisser ici au poste de secours, vous serez les mecs qui bossent au poste de secours. Au cas où il y a quelqu'un qui se fasse blesser. Alors là, on est comment? Préfère ne pas travailler au poste de secours, préfère ne pas travailler au poste, préfère travailler au cimetière, car 8 heures. Car 1 à 12 heures, très bien, t'as pas de préférence. Ok, on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nickel, ça on est bien, les infirmières on était bien, les ingés. Toc, Bernard, Sean, Nathalie, tu vas commencer à nous faire un petit peu de nourriture. On va, alors avant les ingés, avant de se lancer sur les ingés, on va mettre des gens ici parce qu'il faut qu'on en ait. Mais on va regarder nos améliorations. Donc, en termes d'amélioration, ici on peut agrandir l'entrepôt, plus de camions, plus de stockage. On a moyen de réduire la quantité de rations consommées, c'est pas une urgence.
On pourrait aller chercher ça pour reposer beaucoup plus vite nos troupes. Ça serait pas mal. Et en termes de soins, aller chercher ce truc-là. On a la capacité de faire ces deux-là. Réduire la difficulté de l'opération et réduire la difficulté de l'opération. Mais ça me paraît pas si urgent pour le moment. Enfin, globalement, on arrive bien à gérer nos blessés. Non, pas ça. Je pense qu'on va du coup, on va lancer ça. On va envoyer Douglas et Mathias là-dessus. Et on va aller faire. J'ai dit le truc de repos. Ah zut, il m'en faut 9 du coup. Bon bah pas le truc de repos. En termes de ressources. On est au max en ingénieur. On a quand même déjà 12, c'est pas si mal. Les éclaireurs, je suis pas convaincu que ça vaille le coup d'en faire plus pour le moment. Alors on a déjà pas mal de blessés à soigner, mais le temps qu'ils nous sortent des lettres, il va falloir un petit moment. Surtout qu'il va falloir qu'on les envoie en priorité là. Est-ce qu'on a des trucs utiles à faire? On pourrait réduire un petit peu la consommation de nourriture. Ça fera pas de mal. Allez, c'est parti. Il y en a un autre qui est efficace sur les bâtiments, je vais aller chercher ça. Ingénieur. Donc Douglas, il réduit le temps de construction. On est d'accord. Tac, tac. Utilise moins de ressources pour les rations. Il me semble qu'on en avait un autre qui avait ce trait-là, non? Ok, du coup, non. Bon, pas de soucis. Donc, occupons-nous des affectations, pas des infections. Donc, Nathaël, tu vas bosser là. Faire un peu de bouffe. Et ici, vu ce qu'on consomme de ressources, on va mettre deux personnes. On va les mettre en quart de 12 heures pour commencer. Pas la peine de s'exciter. Et salut Brunav, bienvenue sur le live. Et oui, ça stream de bon matin, j'avais l'occasion. Les gens demandent de la suite de War Hospital, donc je me suis dit, allez hop go. C'est parti. Alors, nos objectifs, c'est de survivre, c'est tout. On n'a pour l'instant pas d'envoyer X survivants au QG. Donc c'est parti, on va lancer tout ça. Attendre que les mecs se mettent en route. Alors, il y a des médecins en attente d'affectation. Non, les médecins ne sont pas en attente d'affectation, hein. Il faut juste que nos infirmiers reviennent pour les. Enfin, nos brancardiers reviennent pour les recaler. Ah, je me souviens qu'on voulait aussi améliorer l'ambulance là. Mettre une deuxième ambulance ici. On va faire ça. Cool, c'est avec nos mecs bien améliorés, le moral il est déjà monté à 58% et ça fait plaisir. Allez, au boulot, opérez-moi tout ça. Alors là, on a peut-être moyen d'avoir une infirmière ou des brancardiers, on va voir. Brancardier, on est plein, je crois. Hein. Non, on n'est pas plein. Infirmière non plus, parfait. Enfin, je pense que c'est des brancardiers parce qu'ils proposaient de venir travailler tous les deux. Du coup, en général, quand il y en a deux, c'est des brancardiers. Mais peut-être que ce serait deux ingés, hein, c'est possible. Hein. Jacob et Gaston, ces filles les plus jeunes. Non, il y a quand même des chances que ce soit des brancardiers qu'on nous propose. Ah, et le train est arrivé avec ses blessés. Ouais, bon, ça va. Il n'a pas trop. Ah oui, on va en avoir 14 par jour maintenant. Waouh! Violence. La violence. Ok, quelques événements. Alors, tac tac tac. État bon, opération simple. On va économiser nos ressources, quoique. Non, on va prendre le moins 10 parce que mine de rien, on va avoir besoin de les sortir vite du centre. Ah, plus 4. Ah, plus 4, c'est intéressant quand même. Ça nous fait une opération quoi. Alors, ok, c'est le mec qui a envie de se venger. On va prendre ça.
On va essayer de sortir vite des gens parce qu'il y a quand même une attaque qui arrive très vite là. Alors, nous sommes confiants quant à la guérison du patient. Réhabilitation plus longue, non, on peut pas se permettre. Là, il faut qu'on sorte du monde. Ok, on est quand même à 16 sur 30 malgré tout ce qu'on opère, quoi. Ça déconne pas. 4 heures d'opération, 3 chevrons stables, tu vas passer derrière toi. Ici on est sur une opération de 5 heures, on va le mettre là, même avant lui, vu que c'est un 3 chevrons, pour que lui prenne un petit peu de niveau, et on a un événement. L'opération s'est très bien passée, parfait, un petit boost de morale cadeau. Oui effectivement on en a rentré 14, j'en voyais que 3 sur des trucs, mais non, il y en a qui sont assis là et tout, ouais. Il y en a effectivement 14 à traiter. Ok, ça va dépoter là. On a rentré 2 encore ici. Waouh. Toi, t'es un 2 chevrons, mais t'es en bon, donc on va. On va pour l'instant te laisser là. On verra avec les événements qui dépilent le plus vite. De toute façon, on en a d'autres qui vont arriver. Hein. Alors, on a de quoi recruter d'autres chirurgiens si on veut. Hein. Techniquement, pour avoir un chirurgien de plus, un chimiste de plus. Donc, on va voir ce que ça donne niveau flux. Ah, d'accord, elles sont déjà fatiguées. Fantastique. Alors, ils veulent du matériel chirurgical. 24 comme ça. Ok, c'est parti, on en a 98, on peut se permettre. J'ai l'impression qu'ils ont récupéré leur fatigue de la veille par contre. Ok, on va les envoyer se reposer. Tac, on va vous mettre vous au taf. Un excellent moral, parfait. Alors avec 13. Ah, et un autre chirurgien et un autre truc là, ça va peut-être devenir nécessaire effectivement rapidement. Et ici aussi hein, d'ailleurs, mais eux, les blessures s'aggravent moins vite. Même si lui c'est une blessure de niveau 2. Après on l'a vu, hein, quand on a plus de médecins, il faut aussi avoir les médicaments pour suivre. Ok, on a soigné notre premier patient, parfait. Ah, et on a un train qui est arrivé de nouveau. Il nous faudrait 8 lettres pour ça, et on avait dit si on voulait faire le garage. Ah oui, il y avait ça que je sais plus, c'est ça que j'avais lancé, mais c'est 9. Bon, niveau matériaux là, il va falloir qu'on dépote. Je pense qu'on va prendre un mec en plus et on va le mettre à bosser ici. Pareil pour l'instant, la nourriture, tant qu'on n'a pas eu des ventes pourries, on va en avoir largement assez, donc c'est parti. Consommez-moi des matériaux en fabriquant des trucs, ça va le faire. Ok, on a bientôt terminé d'opérer la VIP, visiblement c'est réussi, ils sont pas encore arrivés là. Il y a des mecs qui sont en grave. Ah la vache. Ok. Toi t'es un simple chevron. On va te mettre devant là. Tu vas devoir attendre un peu toi pour le moment. Là pareil, on est en grave, donc vas-y. Passe devant. Et toi t'es grave, donc tu vas aller là. On a un stable ici avec une blessure de niveau 2. Est-ce qu'on va devoir faire des amputations sur cet épisode? Enfin sur cet épisode, sur ce chapitre, c'est possible. Il
Ok, alors il faut qu'on envoie un petit 1, on va l'envoyer là, mais il va falloir qu'on envoie du monde ici, clairement. Alors je voulais regarder, toi t'es fatigué, bah passe en quart de nuit. Ils reviennent aussi avec la fatigue qu'ils avaient au début de. Enfin la fin du chapitre précédent visiblement. Attends, on est à 27 sur 30 quoi. Ah ouais, va falloir qu'on évacue plus que ça hein. Bon ok, ça veut dire qu'on va taper dans ces deux là. Un chirurgien et un médecin chimiste, c'est parti. Il faut qu'on dépote à fond. Ok, on a terminé l'amélioration des 10% ici. Du coup, Mathias, tu vas là. Et toi, tu vas aller faire de l'alcool. Alors du coup, non, on va échanger, on va mettre Nathanael pour faire de l'alcool et Douglas ici. Ah, un petit niveau. Travaille mieux au centre de rééducation, le moral augmente quand il travaille à la place de ambitieux. Non, non, je pense que t'es bien, toi. Alors, la VIP, elle est là. Ok. Ici, on en a un qui sort dans 12 heures, ça c'est un chevron 2, attends, on reste en rouge. Il faut me remplir cette tranchée là. Est-ce qu'on a d'autres trucs ici? Pour le moment non. Un petit événement. Réhabilitation plus rapide, on y va. Il faut se remettre les gens, il faut se remettre. Opération plus rapide, c'est quoi? C'est de la chirurgie, parfait. Et moins fatigante en plus. Excellent, excellent. Tiens, ils sont repassés en bon, on a fait un jet d'infirmière efficace. Je disais, ils sont où mes patients graves, mais c'est bon en fait. Nickel. Ici, il va falloir enchaîner. Tu seras épuisé à la fin, mais bon, c'est comme ça. Et toi, 4h, 3h, ouais, tu vas t'occuper de celui-là. C'est une opération pas trop compliquée. On a nos renforts qui vont pas tarder à arriver, je pense. À 17h, ouais, en quelques heures encore. Allez, on va passer en vitesse un peu plus élevée. Il faut qu'on bouffe ces ressources là. Merde, elle commence à être fatiguée elle aussi. Ah, oula, un événement négatif. Le patient réagit mal au traitement. Mince. Désintoxication complète avant de poursuivre les soins. C'est du médicament de base, ou alors on passe à 3, à 4 étoiles de chance d'échouer. Non, on va prendre l'augmentation du coup. QG a décidé de mener un assaut à d'autres endroits du front pour essayer de briser les lignes allemandes. On demande d'envoyer autant de renforts que possible. Oh la vache! Ah oui, ça va être... Ça va être sur l'ordre du tendu, cette... ce chapitre là. Parce que bon, faut quand même que nous on se défende aussi. Si je mets ça, faudrait au moins qu'on soit en vert, ce serait bien. Ah oui, donc nos infirmières là, qu'est-ce qu'elles disent? Elles sont épuisées. On va les laisser bosser un peu, va leur falloir un petit peu de temps pour recaler les fatigues à des niveaux normaux, on va dire. Allez, un événement positif, réduction du coût. On peut prendre un réduction du coût.
Alors eux ils ont fini. On va aller faire de l'alcool. Et du coup faute de mieux, un petit peu de bouffe. Il nous rapporte combien de ressources le train? Ah oui, 2000 quasiment. Ah oui, donc on pouvait consommer à fond, ou alors faut qu'on améliore l'entrepôt quoi. L'entrepôt c'est 8 trucs et 60 heures de travail. Ouais, ça pourrait être valable du coup hein. Effectivement. Ok, on a une petite ambulance. Bon, du coup, il va nous falloir plein de lettres de change. Et vu qu'on nous incite à en sortir, c'est pas plus mal. Ah, zut, on a perdu un patient. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Si je passe là, ok, on est en vert. C'est déjà pas mal. On a combien de temps pour ça? On n'a pas de temps. Ok, on n'a pas de timer. Ça, c'est cool. Alors, les nouveaux. Ok, toi, tu vas enchaîner. Là on a sorti un stable, tu vas enchaîner. Et les autres on les mettra à notre nouveau médecin qui arrive. Réhabilitation plus rapide, parfait. Bon, malgré la perte on est déjà à 77%, hein, ça fait plaisir. Là on est d'accord qu'on a toujours nos brancardiers qui travaillent. Alors ici il faut qu'on surveille la fatigue. Extrêmement épuisé. Bah du coup vous allez repasser en quart de jour hein. Voilà. Bah, par contre l'ingé là épuisé. Tu vas tenir un peu toi encore hein. Mais si, il y a des gens disponibles pour enterrer les morts, faut pas déconner. Tac. Non, rien de nouveau. Est-ce qu'ils vont... Il y a un autre cadavre? On a eu deux morts visiblement. Ah oui, deux patients sont morts durant une opération, zut. Opération plus rapide, c'est quoi? Une chirurgie, parfait. Bon, on dépote. Ah! Ça y est, on a nos nouveaux médecins qui sont arrivés. C'est parti, au boulot. Ici non, et ici du coup... Tu vas bosser sur celui-là. Non, tu vas bosser sur celui-là plutôt. Ça c'est une opération un peu plus compliquée. On va faire bosser... Ouais, quoique... On va faire bosser lui. Un événement, opération plus rapide pour plus cher, on suit la procédure habituelle. On n'a pas besoin d'opérer plus vite. Par contre, on a besoin d'économiser nos ressources le plus possible. Alors, notre petit médecin belge. Alors, préventif, se fatigue légèrement plus lentement, récidive considérablement les risques de complications, ça c'est cool. Ouais, ça c'est très bien ça. Benjamin Taylor. Ah, la balle qui a traversé en laissant une blessure nette. Excellent. Allez, tu tiens 2 heures encore toi, et après tu vas dormir. Bon, on est redescendu à 12, hein, ce qui veut dire que on peut absorber l'arrivée du train. C'est peut-être notre centre de secours qui va être un peu plus dans la galère. Ok, on est en bleu, ça c'est parfait. Alors, un niveau, est-ce qu'on peut virer strict? Non. Du coup, on peut prendre ce fatigue considérablement moins au PES à la place de poser. Non, à la place de serviable, ça serait pourquoi pas, mais... Ah si, là on peut virer strict avec ça. Ses compagnons de travail se fatiguent moins vite.
Ah bah excellent là, oui, il y a tellement de... ça fatigue tellement les opérations. Il n'y a pas photo. Docteur Phoenix Porter attend son affectation. Bah si, il y a du monde. Après, il faut que les brancardiers fassent le taf, mais... ça va venir, ça va venir. Alors, réhabilitation plus rapide. On va prendre ça. Et salut Gabi, bienvenue sur le live et bienvenue sur la chaîne. Tu suis tous les lives en rediff, c'est l'excellent contenu. Merci beaucoup. Et bah écoute, là c'est le début du chapitre 3 hein, sur lequel tu arrives. Donc on a fait même pas un jour encore. Donc si tu veux profiter, n'hésite pas. Et merci beaucoup pour le suivi sur les rediffs, ça fait vraiment plaisir. Hein. On va utiliser la soif de vengeance du monsieur. On veut que nos personnes sortent rapidement sur ce coup. Allez les gars, encore une heure. Vous tenez le coup. Allez, elles sont déjà fatiguées les infirmières là. Putain la vache. Bon après c'est vrai que... on a un paquet d'opérations. Hein. Si elles courent de patient en patient... ça doit effectivement piquer un peu. Alors, opération plus rapide et réduction du coût. Ouais. Très bien. Les premiers examens suggèrent que l'état psychologique du patient est stable. On va prendre la procédure habituelle. Il faut qu'on vide notre centre de rééducation. Hein. Alors, un médicament plus puissant. On peut l'amputer. Non. On n'ampute pas, nous. Sauf si on n'a vraiment pas le choix. Oui, en fait, nos infirmières, elles se fatiguent peut-être vite parce qu'on a tellement d'opérations en cours. Planifier une récupération plus longue. Ah oui, c'est la déshydratation. On prend la normale. Est-ce que les... c'est où le quart là? Il est là le régime à 3 quarts. Faut qu'on ait fait le centre de rééducation pour passer à un régime à 8 heures. Ça pourrait être une idée hein, aussi. Il y a tellement de choses à faire. Donc on irait chercher ça, puis ça. Et salut Soren, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. J'espère que vous vous souvenez dans le chat ce que j'ai dit que j'allais la construire parce que franchement moi je m'en souviendrai pas. Allez, tu tiens 10 minutes mec. Tiens 10 minutes et après tu vas te reposer. Ah, il nous amène 2000 de ressources le train, par contre on en a plus qu'un seul par jour on dirait. On vous servira de la tourte à la viande vers midi. Mais non Cars quand même, nos pauvres patients. Tu devrais avoir honte. Alors, ok, on va blinder là. Ici on envoie au QG. On devrait être bien pour cette attaque, mais il faut qu'on gère celle d'avant. Et j'aimerais bien avant l'attaque, en fait la priorité ça va être le garage là. Avant l'attaque, j'aimerais qu'on ait fait le garage. Il coûte 9. Ce serait l'objectif. Et on consomme une quantité de médoc. C'est ouf hein. Mais bon, on a commencé, on a quasiment dépilé là. Ici les gars, vous êtes falloir enchaîner, là on a un 3 chevrons, là on a un 3 chevrons, allez hop, occupez-vous de ça, et on a un événement. Réhabilitation plus rapide. On recycle Carve. Oui, on boit un coup pour toi. Et mine de rien, on a commencé avec 130 je crois là.
On s'en reste déjà que 17. Mais on a terminé de dépiler. On a 10 heures pour faire à peu près refaire les stocks. Alors, sachant que la nuit, il est tout seul à bosser le gars. Ici on a enterré les morts, il y a un décès de plus là, je sais pas c'est quoi ce décès là. S'il était dans les tranchées, le mec qu'on a laissé dans les tranchées devrait aller le chercher depuis le temps. À moins qu'il soit mort après 20h. Non, ça a l'air d'aller. Ici, rien de neuf. Une petite surenchère, Dogma ? Sur quoi donc, dis-moi ? C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ouais, ok, on n'a rien d'autre là. Bah, le Dog Cutter, ils attendent des affectations. Pour l'instant, ils vont dormir. Hein ? Ils seront... un message. Ah, on a terminé avec leur pelletier. Oula, on est plein là. Alors, nous sommes des hommes de parole et nous voulons vous proposer nos services de brancardier au sein de votre hôpital. Mais oui, bien sûr. Des brancardiers supplémentaires. Alors... qui vous êtes? Travaille beaucoup moins vite, ses compagnons de travail se fatiguent plus. Il est strict et il est chimérique. Ah ouais. Et lui, il est amer. Ses compagnons de travail au cimetière sont moins performants, il est strict et il est frivole. Ah oui, des mecs efficaces, c'est bien. Ils apparaissent pas là encore. Peut-être attendre qu'ils arrivent par le train ou un truc du genre. Et salut Gabi, bah écoute, bon courage pour les rediffs. Normalement ça devrait commencer à partir de demain. Et merci beaucoup de nous suivre. Alors ici on est à 20 sur 20. Ok, toi tu sors bientôt. Toi t'es prêt à sortir, vas-y donnez-nous des lettres. Toi t'es un chevron 3, on va t'envoyer là. Toc, 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 toc. Faudra essayer de sortir suffisamment de lettres là. Alors si on voulait t'améliorer toi, ça nous coûterait combien? 9 aussi, ouais. Donc de toute façon tout coûte 9. Hein. Là ça coûte 9. L'entrepôt ça nous coûte 9. Ça nous coûte 8 l'entrepôt. Le garage ça nous coûte 9. Tout nous coûte 9. Ok. Donc il va nous falloir un paquet de lettres. Alors on est à 8. On pourrait lancer l'entrepôt. Après, est-ce que c'est une priorité de lancer l'entrepôt? Je ne suis pas sûr. On peut faire en perdant un peu de matériaux ici, hein. Ça nous a pas trop posé souci dans le chapitre d'avant. Quand on pourrait aussi embaucher une infirmière de plus. Ou viser les trucs qui font qu'elle se fatigue moins vite, parce que Riley ça va, hein, elle pète la forme, mais alors elle, ça devient compliqué quoi. 2 heures après avoir pris leur car, ils sont épuisés quoi. Alors, après un examen minutieux. Je pense que les symptômes du patient sont simulés et qu'il tente seulement d'échapper au déploiement. Ah tiens, excellent, on a absolument pas... Je crois que je l'avais jamais vu, je crois, ce truc là. Eh bah écoute, oui, on va suivre ta recommandation. Envoyé au fight comme un gros sac. Tout dans le subtil. Bon, on a tout dépilé ici, on a tout dépilé ici, c'est cool. Ici, lui il est pas encore épuisé, il pourra enchaîner. On va te mettre l'opération la plus complexe vu que t'es notre plus efficace. Tu as des personnages qui se fatiguent plus vite. Bah alors en fait... oui, il y en a, mais ici, là, les infirmières... oula, c'est un peu bugué. Les infirmières, non, en l'occurrence.
Les infirmières, j'avais vérifié la dernière fois, elles ont pas de trait particulier qui fatigue plus vite. Elles diminuent éventuellement. Il y a elle là qui diminue le niveau de ses copines. Je crois, mais j'avais peut-être enlevé Edith Boulet. Ah c'est ça, elle travaille un peu moins quand elle travaille seule, mais j'avais amélioré son trait, là, je lui avais viré son truc de dragueur là. Mais du coup, il y en a pas qui se. Elles sont juste moins efficaces, elles sont pas plus lentes. Par contre j'ai l'impression qu'on n'a pas eu notre brancardier. Bon. On verra s'il arrive un moment avec le train. On est à combien là techniquement? Si on est censé être à 12 sur 12. Il faut peut-être juste qu'il arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, on en a 11 là. On va attendre de voir. Il y a moins de trains hein, sur ce chapitre là donc. Centre de rééducation à 20 sur 20 quoi. Alors ici, ah toi tu peux sortir, vas-y sors, on va voir notre 9 là. Toi tu vas là, on passe au orange ici, toi tu peux sortir. Ok, on a nos améliorations possibles, donc c'est parti. Amélioration du camp, on va aller chercher le garage. Alors Carter, en avant tu te sors du lit, Bernard tu restes là, Mathias au taf. Darian, au taf, c'est parti, je veux ça avant la prochaine attaque. Ensuite on va aller vers le poste de rééducation et ensuite on ira chercher un autre médecin psy, un traumato. Ok, c'est un peu calme, on va passer en vitesse 2. Alors je joue assez lentement hein, sur le jeu, certains d'entre vous l'ont remarqué, mais c'est vrai que j'aime bien regarder ce qui se passe, observer, aller jeter un œil quand on a la petite, le petit bruit qui nous dit qu'il y a un truc qui s'est passé. Vous, vous allez tenir, vous êtes que épuisé pour le moment, il y a moins de pression là, hein. Ça va. Ok, on est remonté à 5, c'est cool. On a un excellent moral. Une opération terminée avec succès de plus, parfait. Est-ce que c'est le mec qui sort direct? Non, c'est pas lui. On va l'envoyer là. Oh, on est remonté à 11 là. Excellent. On va pouvoir bosser un peu plus. Donc là, on fait le garage. On va pouvoir aller chercher le centre de rééducation amélioré. Bernard, non. Bernard Eschen, c'est le plus efficace. Toi, tu sors du lit. Toi, tu sors du lit. Ça, c'est l'amélioration. Et on va envoyer Timothy là. Hop. C'est parti, voilà. Comme ça en plus on a un peu vidé pour le train qui va arriver avec nos ressources à midi je crois. Et c'est à midi. Parfait. Passer ça à 30, ça va pas faire de mal vu les flux qu'on nous promet là. Le patient avec une forte volonté, parfait. On a refait un peu nos stocks de médicaments pendant la nuit, c'est pas ouf, mais c'est toujours ça de prix. Là, c'est pas dit qu'on aura une récompense hein, si on réussit cette quête, quoi. Ça se trouve, ils vont nous laisser crever pareil. Par contre, on bouffe trop. Enfin, faudra voir quand le train sera arrivé avec la reserve. Ah mince, on a perdu quelqu'un. Faudra voir quand le train sera arrivé avec les ressources, mais. Combien on est censé bouffer par jour là? 123 normalement par jour. Ouais. Avec 88 d'arrivée par jour, c'est un peu short. Ok, on a notre garage. Du coup, on peut remettre du monde à bosser là. C'est qui le mec déjà, l'ingé qui est efficace? Alors il y a Nathael
qui est efficace pour la bouffe. Il y en a un autre normalement. C'est Henry Wong. Vas-y, va produire des rations. Toi tu vas plutôt là du coup. Toi tu vas là. On est remonté à 6, c'est excellent. 8, encore mieux. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? À 9, à 8 on pourrait faire l'aile de trauma. Ce qui n'est franchement pas si inenvisageable que ça. Il y a l'entrepôt qui coûte 60, mais je pense pas que ce soit une priorité. On va être un peu plein en ressources régulièrement, mais si jamais on arrive à descendre, ça, ça serait pas mal. Hein. Bon, il nous faudra un train. Je pense qu'on va se lancer là-dedans. Ça va nous servir à un moment. Ok, donc vous y retournez les gars. Carter, tu y retournes. Bernard et Sean, vous restez là. Mathias, tu y retournes. Hanson, tu y retournes. C'est parti. La gestion est quand même hard. Bah écoute, c'est vrai que c'est un peu l'objectif. Hein. C'est tout l'intérêt du jeu, c'est tout le sel du jeu. C'est pas d'un jeu de micro-gestion, hein, clairement. On est là pour dépoter quoi. Alors, autoriser le patient à lire sa lettre. On peut se permettre une petite baisse de morale en échange d'une réhabilitation plus rapide, honnêtement. Putain, on en a vidé un paquet d'un coup là. On est passé de 19 à 5. Allez, on attend d'avoir 4 là et on pourra peut-être faire on pourra recruter notre médecin supplémentaire, notre traumato supplémentaire. Ici du coup, ça c'est une opération complexe, tu vas être fatigué à la fin, mais du coup toi tu peux t'occuper d'enchaîner ces deux là. Une opération pas trop longue là, hein, 4 heures, mais je vais faire le 3 chevrons d'abord, enfin encore que, il est pas dans le mal, on va faire la rapide d'abord. Éventuellement si je fais ça... Ouais toi tu vas être épuisé... Tu vas déjà être extrêmement épuisé après une opération simple de 3 heures donc on va te mettre celle-là. Le 1 chevron, sécuriser le 3 chevron ici. Ok on a bien sorti du patient, hein, ça fait plaisir. Les lettres de change tombent, hein, donc on va les économiser pour le moment. On va voir ce que ça donne à la prochaine vague à 9h là. Qu'est-ce qu'elles donnent nos infirmières? Elles sont épuisées, mais ça va. Ça va être le changement de quart bientôt. Ah, on a eu des nouveaux. Ok, c'est de l'opération simple. C'est pour toi, fais-toi un peu d'XP. On a personne ici? Ah oui parce que tu dors toi. Un patient en attente de décision, à quel propos? Ah oui ici. Eh ben vas-y. Ah, c'est une opération, non, fatigante, mais relativement simple, c'est parti. En avant! Un événement, opération plus rapide et réduction du coût. Bah oui. Là, on est qu'à 26. Hein. Selon comment ça se passe, on va peut-être commander quelques trucs. Elles sont retournées se reposer extrêmement épuisées, donc on était quand même pas loin de la chute, on va voir comment elles s'en tirent. Ah, un petit niveau. Est-ce qu'on a un truc sur fatigue concernant lentement lorsqu'il travaille seul? Ouais. Non, c'est pas bien ça.
Bon, on va prendre un travail considérablement mieux pour le moment. On essaiera de chercher des trucs pour la fatigue après. Alors, opération plus rapide, augmentation du coût. Non, on n'a pas besoin de se presser. Là, non, j'ai cru que c'était des patients, mais non, c'est les. C'est les infirmiers qui vont bosser ici. Ça, c'est tout ça, c'est du 1 chevron, on va l'envoyer au QG. On va bientôt plus avoir de ressources. Hein. Le train va nous. Va nous recharger, mais avant. Avant, c'est les blessés. C'est tout? Ah oui, non, je mets. Ok, je me disais, il y en a 4 des mecs, c'est quoi ce bordel? On va repasser en vitesse 1 pour trier un peu tout ça. Lui aussi, il essaye d'échapper au déploiement. Ah, on a atteint les ennemis furtifs. Les squads d'éclaireurs atteint le village où des groupes d'hommes ont été aperçus pour la dernière fois. Alors, surprise, les villageois se montrent très coopératifs et mentionnent des groupes aperçus en train de se faufiler dans les champs situés au sud. Il semble s'agir de nombreux petits groupes de 5 ou 6 hommes qui essaient de ne pas se faire repérer et prennent autant que possible des chemins non éclairés. Le commandant décide d'inspecter les champs. Les éclaireurs y trouvent des traces qui corroborent les histoires des villageois. Plusieurs traces de petits groupes passant discrètement à travers les champs, tous dans la même direction. Alors, suivent les traces, ok, ils ont enchaîné, pas besoin de les envoyer ailleurs. Ils sont que deux, hein, donc c'est des groupes de 5 ou 6, on évitera les assauts. Retourne pas dormir toi, je pense que tu vas avoir du boulot. On va les trier du coup 4 par 4. 4 par 4. Alors, ouf, grosse opération là. On va la filer à lui, déjà on perd une étoile. Ça c'est une opération plus simple, on peut mettre pour toi. Alors, toi il faudra que tu ailles dormir. Vas-y. Hop, ici. Pour l'instant, on en a rentré qu'un. Une opération fatigante mais simple. Tu vas ressortir de ton lit, toi. On n'a plus de ressources. On a un peu tout cramé, là. Ok, une opération tranquille. On va sortir lui du lit. On a sorti pas mal de médocs là. Alors, ou un 3 chevrons. 3 chevrons, opération très simple. Vas-y, go. Ici, lui, du coup, il peut directement repartir. Il n'est pas complètement à 3 chevrons, mais on va l'envoyer là. Hop. C'est le mec qui simulait. C'est pas gentil de simuler. Attends, je peux comprendre. Hein. Toi, tu vas aller dormir un peu. Ah, vu que tant qu'il n'y a pas de ressources, j'ai bien envie de les envoyer bosser là-bas. On va essayer de fabriquer au maximum. Les stocks remontent, bah ça dépend, si on parle des matériaux, pas trop. Ah, un événement négatif. Le patient était mordu par un rat, diantre. Un truc comme ça en plus, bah non. On va prendre la réhabilitation plus longue, c'est dommage, mais on a grandi notre centre, donc ça va le faire. Les brûlures provoquées par le gaz sont superficielles, excellent. Le patient a une forte volonté, excellent. Et un excellent moral, excellent. Triplement excellent ces événements. J'aime beaucoup. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Une opération à 3 chevrons, c'est pour toi. Ici, opération pas trop compliquée, c'est pour toi. Non, c'est pour toi plutôt. Hop. Et ici, on est pas mal. On est pas mal.
blessure du patient était étonnamment propre. Bah oui, opération plus rapide et moins de coups. Parce que là du coup, hein, je pense qu'on va devoir se... Il y en a les ressources qui arrivent dans pas longtemps. Je vais attendre avant ma commande, je vais voir pour la bouffe. On va remonter, ouais, on devrait remonter quasi au max. Donc niveau bouffe, ça va. Niveau ressources, ça va. Donc c'est vraiment le reste qui est problématique. On peut lancer une amélioration. On en a déjà deux en cours. Toi, tu peux revenir. Ah, et ça serait bien de lancer le truc de repos là. On va prendre Carter et on va envoyer Henry Young. Ok, on va amener 3 améliorations de front. Ça y est, on a dépilé tout le monde. Enfin, tous ceux qui étaient, on les a pas soignés, mais 8. On va être déjà en dèche là. Bon, on va devoir se prendre des petites amputations sur les plus chers là. Désolé les gars, c'est aussi les plus efficaces, mais malheureusement. Ouais, quoique, non, ça m'en prend. En fait, je le prends. C'est trop tard. Tant pis, c'est trop tard. Parce que ils peuvent que prendre le moral du coup. Et le moral, on n'est pas non plus dans le mal niveau moral, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, nos infirmières sont déjà fatiguées. Elles sont que épuisées, ça va. Elle commence à être doucement épuisée après 24 heures de taf. Ouais, il va falloir qu'on commande des matériaux. Alors, des dégâts importants sur les tissus. Opération plus longue. On peut prendre l'opération plus longue. On n'est pas aux pièces. Niveau bouffe, on a vraiment pas besoin d'en faire. Il y a personne qui travaille dessus. Bon, on fait de l'alcool pour pouvoir avoir ce qu'il faut pour le reste. Alors. Toc. Toc. On va essayer de terminer cette quête. Les blessures sont étendues mais superficielles. Fantastique les gars, c'est nickel. Ah, ça c'est moins nickel. N'avons pas trouvé de plat de sortie. Un second examen révèle que la balle est toujours logée dans le corps du patient. Alors, on a notre appareil rayon X, on pourrait faire ça. On ampute le membre. Non, non, on va utiliser un appareil rayon X. Bon, par contre, du coup, au niveau matériel de chimie, on est bien. Ça serait bien d'avoiner un peu là-dessus, là. Voilà. Ok, c'est le moment du fun. C'est le moment du fun. Alors, et ouais, bientôt un assaut, exactement. D'ailleurs, on a pas eu notre brancardier de plus. Je l'ai pas vu arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils sont censés être au poste d'évacuation sanitaire. Ah, ça se trouve, ils sont foutus au poste d'affectation sanitaire, mais comme on a trop de place... Ah bah oui, voilà, ok, ils étaient cachés. Fantastique, ils étaient cachés. Et bah du coup... Qui bosse mieux au poste de secours? Pas eux. Normalement c'est les deux premiers, Jen Cook et Seth Peterson. Ouais c'est ça, Jen et Seth. Elijah et Damian plutôt, c'est plus facile à le dire. Damian, Elijah, en avant. Ensuite toi tu fais que tes copains te fatiguent moins, tu y vas. Carter et Elliot. Alors on a vu que les nouveaux là... Ces compagnons de travail au cimetière sont moins performants. Ok, donc ils peuvent aller là.
Ensuite, on a qui au poste d'évacuation sanitaire? Les compagnons de travail se fatiguent moins vite pour Matthew et Owen. On va aussi vous envoyer là, tant qu'à faire du coup. Toc. Alors il y a le train. Non, il y a le train. Il est déjà arrivé le train. On va envoyer un maximum de monde. On va voir ce que ça donne. Des tirs d'artillerie. Donc des tirs d'artillerie, ça veut dire de la traumato. Hein. L'attaque standard, sans surprise. On a du gaz. Ok, ça reste classique. Oh la vache. On va se retrouver cerné par les Allemands quoi. Alors c'est super mais de toute façon on n'avait pas moyen d'y aller donc. Alors ici on peut évacuer les villages. Allez c'est parti. Alors ici, ok, on va pouvoir attaquer, on a ce qu'il faut comme médicament. Grosse opération là, c'est pour toi. Alors ici, un 3 chevrons. Un 2 chevrons, non il sort dans une heure, on va l'envoyer là plutôt. On a du temps avant de gérer ça. On a combien de blessés? 12, 13, c'est pas tant. Ah, la deuxième ambulance, elle est carrément garée sur la route. Très bien. Pas de problème. Je crois qu'on avait construit un garage pour elle, la pauvre. Ok, en avant. Ici ça continue de bosser, on a une ambulance qui arrive. Alors ils sont que deux ici, je pense qu'on va les passer en 24 heures quand même pour en avoir deux. Au moins deux pour vider les ambulances et tout, sinon ça va être compliqué. Parce que si on veut vider ça, il faut amener les patients là, il faut les sortir. Il faut aller dans l'infirmerie, dans l'ambulance. Merci Soren, on trinque. Bien sûr, plus au moment où je trinque, il y a un événement. Morale en hausse. Parfait. Ah, la forte tolérance à l'intoxication au gaz. On va prendre la réhabilitation plus rapide. Alors, mes infirmières, est-ce qu'elles vont tenir? Ah, elles sont extrêmement épuisées, il reste 3 heures de taf. 3 heures de taf potentiellement sous pression. Alors qu'on surveille. Oula, on a plein de niveaux là. Alors toi, utilise moins de ressources pour produire du matériel médical. Tu vas devenir drôle mon cher. C'est quoi ça? Il s'est passé un truc. Tac tac tac. Vas-y, deviens drôle toi aussi. Alors on a des petites cinématiques comme ça hein, qui pop, qui nous donne des trucs, mais on sait pas exactement ce qui se passe. On a réussi à leur envoyer un bataillon de soldats. Ah et on a nos points, parfait. Alors on n'a pas encore fini le truc. On a terminé les appartements du personnel. Ça va être bien pour nos infirmières justement. Comme tu dis Soren. On va les envoyer dormir. On va lever les autres même si elles vont dormir que quelques heures.
On a 12 et on a plus que 500 matériaux. Donc on va pas. On va pas se faire plaisir. On va, je pense, commander une blinde de trucs comme ça. Quelques psychotiques. Un petit peu d'alcool. Allez, un petit peu d'alcool, ça servira. En avant. Les ingés. Au boulot, finissez-moi ça le plus vite possible. Ici ça donne quoi? 7 blessés, 5 blessés dans les tranchées. Commence à charger les ambulances, ça c'est très bien. Ça veut dire qu'on peut rapatrier quelques personnes ici. Pour aider à vider les ambulances. Ok. Toc. Mais non, tu vas pas mourir ici, mec. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tu vas t'en tirer. Donc là ils vont terminer leur tâche avant d'aller travailler là, mais ça va nous permettre d'envoyer un petit peu plus vite je pense. Même s'ils commencent déjà à les emmener à pied le temps que l'ambulance fasse des allers-retours. Alors, l'infection était légère, ah oui la déshydratation. Pour un troisième chapitre, tu t'attends au pire. Bah déjà, on en a 14 blessés qui arrivent par jour avec des attaques. Alors c'était une attaque pas trop forte là, ça va. Franchement, honnêtement, je m'attendais à pire. Mais clairement, il va falloir qu'on avoine. Hein. On a mis tout ce qu'on pouvait au poste de secours et ça s'est terminé relativement vite parce qu'il y avait qu'une quinzaine de blessés. Alors ok, on est sorti ici, toi c'est que 3, une opération assez simple, tu vas là. Tu penses surtout au personnel, bah je sais pas si on pourra vraiment fatiguer plus les mecs que quand ils avaient dû courir dans toute la ville pour les civils là. Parce que là c'était vraiment la violence quoi. Tac tac tac. Toi tu viens là. C'est lequel déjà le mec qui doit bosser tout seul là? Je crois que c'est un des derniers. Ouais, non, les pelletiers ils pourraient rester au poste de secours. Hein. Alors, ils veulent pas travailler au poste de secours, j'imagine. Ah non, ils préféreraient travailler au poste d'évacuation sanitaire. Ouais, bon. On peut se passer de ce bonus. Hein. Isaac et l'archer, ils font quoi dans leur vie? Lorsqu'ils travaillent avec d'autres, le moral baisse avec le temps, très bien. Et en plus, ils sont paresseux. Mais ils sont drôles. Donc ça va. Hop, hop, allez. On va en laisser 3 pour le moment, dépiler là, et on va changer un peu les rôles. Parfait, petite hausse de notre morale qui est déjà bien haut. Et on n'a plus rien ici, mais la commande arrive quand? À 21h, ok. Après le quart. Allez, dès qu'on a les deux, c'est un 3 chevrons, tu les soignes, là on devrait fabriquer le deuxième assez vite je pense. On n'a vraiment pas besoin de ça. On va t'envoyer là toi.
bosser un peu. Les appartements du personnel terminés, je pense que ça va aider. Hein. Ok, là on a un chevron. Un petit triple chevron qui pourrait partir par là. Ok, on passe en bleu, c'est parfait. Donc tout le reste qu'on enverra c'est bonus, ça veut dire que celui qui est à 2 là, on peut l'envoyer là, on trouvera d'autres à 3 envoyés dans les tranchées d'ici là largement. On a bientôt terminé cette construction là, on a perdu quelqu'un, dommage. Bon, on est à 5 sur 51, franchement ça va. Pour le moment le ratio est pas si dégueu. Alors elle par contre elle commence à fatiguer. Hein. Il va falloir à un moment qu'on l'envoie se reposer. Et je pense que ça va être maintenant d'ailleurs. Parce que le rush va arriver pendant la journée. Ah merde. Grave, on va t'amputer toi. On va pas utiliser 8 médocs qu'on n'a pas pour une opération potentiellement perdue d'avance. On va essayer de te sauver mais tu devras être amputé, je suis désolé. Ok, notre centre de rééducation, c'est fait. Du coup... j'aimerais que ça bosse ici. Là c'est pareil, faut bosser un peu la nuit là les gars. Un minimum quoi. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Voilà. Au taf. C'est pas l'heure de dormir. Parce qu'avec les ressources qu'on a là, on pourrait pas faire un petit truc pour avoir plus d'endroits où bosser en production. Non, il faudrait 9 lettres de change. Ou alors plus de postes pour faire de la bouffe, on s'en fout. Plus de postes pour faire de l'alcool, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, augmentation du coût. On ampute la jambe. On passe à 3 étoiles, on prend pas à 3 étoiles. On peut pas se permettre de payer. Ok, on dirait que ça se termine ici. Patient en état grave, on va attendre que lui arrive. Ok, ouf, on a un patient en état critique. Un 3 chevrons à 8, ouh, ça pique. Vas-y, fonce là. Les autres ils vont attendre ici. On en est où? Toi tu te lèves. On a un triple chevron là. Je vais commencer par lui d'ailleurs. Il a un double chevron. D'ailleurs, on l'a terminé. Non, on n'a pas encore terminé le truc. On peut pas encore prendre notre troisième médecin, mais ça va venir. Et mine de rien, nos infirmières, elles ont réussi à se retaper assez pour pouvoir reprendre le taf. Hein. Qu'on leur envoie des renforts. Alors moi je veux bien, mais ça serait bien qu'ils y arrivent à briser les lignes allemandes, hein, parce que c'est gentil, mais si c'est pour que à chaque fois on nous dise ah bah non en fait ils se sont fait percer, c'est ballot. Ah ça y est, on a notre livraison qui est arrivée. Ok, c'est parti, 3 chevrons, 3 chevrons, 3 chevrons. Ensuite, un mec bon, 3 chevrons. Et toi, t'es en état grave. On va te mettre après une petite opération d'une heure, voilà ici.
J'en ai déjà 24 quoi. Notre livraison est arrivée là. Hein. On va recommander. Puisque pour l'instant on construit rien de toute façon. Augmentation du coût. Retirer les éclats manuellement. L'opération est annulée, ah carrément. Non, non, vas-y, t'as largement le temps de travailler dessus. Ça par contre c'est bien. Du coup est-ce que ça veut dire qu'on inverse ici? Ouais. Toi tu vas t'occuper de lui. Et toi de lui. Il aurait dû envoyer l'ordre de produire plus de matériel médical il y a des heures. Eh ça va oui? Oh. On va se calmer. Allez hop c'est parti, avouez les gars. Et salut Xebus, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. En termes de mort, franchement ça va. Parfait, un excellent moral. Alors, on lui laisse lire la lettre, oui on lui laisse lire la lettre. Il faut qu'on évacue un peu plus de personnes du centre de rééducation. Alors, des brûlures sévères. Eh ben écoute, en avant. Alors ici, visiblement on a terminé de tout récupérer là. Donc on va pouvoir refaire un petit peu de truc. C'est chez Carter ou Rupert qui doivent rester là. Alors, tac tac tac. Carter, fatigue légèrement plus rapidement. Non, vous, vous devez être au PES, Carter et Elliot. C'est parti. On va repasser en quart de 12 heures. Ici pareil. Ici pareil. Il y a 3 blessés dehors, mais c'est tellement parce qu'ils sont encore là-bas, là, dans les ambulances. Alors, qui on a rentré? Un blessé ici, 3 chevrons, go. Et un ici, un seul chevron, mais 5 médocs. Ça fait chier. Une opération simple, donc on va le mettre à la file ici. Toi du coup tu pourrais aller t'occuper de ça. Bon pour l'instant on n'a pas les médocs qu'il faut malheureusement, mais ça va venir. Alors nos ennemis furtifs. Les éclaireurs s'aperçoivent vite que les traces mènent à la forêt voisine, où ils tombent sur un campement abandonné depuis peu, peut-être même la veille. Ils trouvent les restes de plusieurs petits feux de camp, de l'herbe piétinée et des signes indiquant que de nombreuses personnes ont dormi là, à même le sol. Le commandement déduit que le groupe se compose de 20 à 30 hommes, c'est beaucoup. Des traces plus fraîches quittent le camp, apparemment selon le même schéma, la troupe s'est séparée en petits groupes de 5 à 6 avant de repartir. Ok, alors visiblement il faut qu'on fasse quelque chose avec eux, ok. Ouais, on suit des traces, carrément. On suit les traces, et par contre on va arrêter l'épisode de VOD là. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment, moi je bois un petit coup. Je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.